Ah, c'est toi, Albert. Non, tu ne me déranges pas. Mais si tu m'avais téléphoné dans une minute, tu m'aurais dérangé. Car je ne te cacherai pas que dans l'instant même où je te parle, je commence un nouveau film. Qui sera, je l'espère, un film nouveau. Le sujet? Ah non, ça je ne l'ai pas encore trouvé. Tu sais bien que pour moi, un film, une pièce, un roman, c'est un point de départ ou bien un but choisi d'avance. Et je préfère les points de départ. Parce qu'on est le maître des événements qui vont se produire jusqu'au moment où on en devient l'esclave. Tout ce que je peux dire, en tout cas, de mon film, c'est que ce sera le récit de la brève existence d'un jeune voyou fort sympathique d'une part, et d'autre part, hélas, capable de tuer à la première occasion. Quand j'en serai à la moitié de mon film, je te téléphonerai pour te dire que j'en suis aux deux tiers. Car tu sais que je ne sais pas compter. Au revoir, Albert Wilmets, ami de mon enfance. Je t'embrasse. Albert, est-ce que tu sais quand nous avons déjeuné ensemble pour la première fois? Le jour de notre première communion. À tout de suite. Le film commence un matin de bonne heure, n'importe quel matin. Oh oui, à la radio, j'ai noté ce qu'ils ont dit. Tiens, l'excellent comédien Marcel Bornier a été assassiné ce matin en plein jour par un ignoble individu, le commissaire Bernard. Par un ignoble individu, un point. Le commissaire Bernard serait chargé de l'enquête. Et qui est-ce le commissaire Bernard? C'est mon doudou.
Et quelques heures plus tard, le commissaire Bernard constatait le suicide de Jojo, trouvait dans la poche de celui-ci la petite lettre écrite à la machine à écrire et la lisait à haute voix. Accablé de remords, je suis venu me supprimer à l'endroit exact où, mardi, de bonne heure, j'avais tué un homme. Je m'en serais voulu de passer pour être bienveillant à l'égard des criminels. Mais d'autre part, qu'il y ait des crimes, je l'admets volontiers, car il faut bien que tout le monde vive.